ma sœur, je vois que tu t'es reposée avec Talos. Salutations. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est quoi cette horreur que t'as sur toi, là? Ben, je sais, oui. Salutations. Ah, c'est ce qu'on a trouvé, enfin c'est donné comme armure pour nous. Ben, en fait c'est la même armure que celle de... Comment ça s'appelle déjà Mince. Oui bah quand tu sais pas tu dis pas. Oui bon ça va, ça va. Je regarde juste... flamme de torche... Ah bon c'est pas grave. C'est la Cid qui nous a mis dans cette histoire. Elle porte cette armure là donc voilà. J'ai décidé, je me suis dit tiens je vais la porter aussi. La cape et tout, c'est horrible. Ah oui, mais qu'est-ce que je te dise? Bon, je crois qu'il faut qu'on parle à ce monsieur, là. Oui. Enfin, cette chose. Là, je pense que c'est une espèce de créature unicorne. Voilà. Mmh, ouais, c'est ça. Enfin, bon, bref. Ouais, il faut essayer de trouver l'alliance. Enfin, de. Tiens, va donc voir ailleurs si j'y suis, toi. Hop. Pour rechercher l'alliance de Torche. Voilà. Mmh. Une mandalorienne. Mmh. On était en équipe. Ah! Tu fais que des bêtises. Oui, toi surtout. Ah, je suis sûr que ça va aller beaucoup mieux. D'un seul coup, oui, je sens aussi. Oui. Ah non, tu sens trop fort, je sens pas moi. N'importe quoi. On va commencer le mode solo. Bien. Tout va bien ? Oh non, ils sont venus. C'est énervant. Oui, je vais pas passer mon temps à l'expédier ailleurs. Hein. Bah, moi non plus. J'attendrai hein. Votre appel. Bon, mais faut aller là-dedans. Bah oui, faut croire. Hein. Bon, bah, je te soignerai alors. Quoi faire ? Voilà. Ouh, je t'ai vu en petite culotte. En petite culotte ? Ouais, une petite culotte. Impossible, j'ai une armure avec une cape. Je peux pas avoir une petite culotte, c'est impossible. J'ai vu, je te dis, c'était pas beau à voir. Eh bien. Enfin, moi, c'est toujours beau à voir que tu racontes. N'importe quoi ce que tu dis là. Oh, ah, qu'est-ce que se passe? Nous approchons de l'île de Torche. Oh oh. On a un souci. Oui. Les compétences de pilotage laissent à désirer, ma soeur. Qu'est-ce que c'est bestiole ? Qui c'est celle-là ? Oui. Des belles bestioles. Hein. Il est encore là. C'est pas possible, quoi. Je lui ai foutu une baffe tout à l'heure. Hein. Je vais voir si. Tout va bien ? Oui, et ben justement. On vous congédie, monsieur. Un rat des îles, c'est quoi ces horreurs? Tiens, ah. Voilà le grillé, le rat des îles. Bah oui, c'est un peu, c'est très bien, faut le griller. Voilà. On va faire un petit peu de nourriture. Oui, bon, on va pas non plus perdre du temps. Bah, au cas où, on a besoin. Attends, on va avoir perdu un pouvoir, moi. Ah non, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on est attaqué. Ah, des Mandaloriens. Je crois que c'est un peu. Tu crois toi? Non. Hop. Ouais. Est-ce que je te protège? Oui, je te protège. Je ne laisse pas mes. Voir à moi. Ça va, ils sont pas très très. Rien ne me fait peur. Bah, moi non plus, hein, rien ne fait peur. Rien ne nous fait peur, nous sommes les sœurs Cruella, je te rappelle. Enfin, toi, t'as peur. Moi, non. Non, non. Nous sommes les sœurs Cruella. Aucune de nous deux n'a jamais peur. Ouais, ah, par contre, j'ai trouvé ton prochain mari. Quoi faire? Regarde. Tout ce qu'il faut, poilu, grand, fort, costaud, intelligent, sans doute. Mm-hmm. Il tira comme un gant. Non? Hein? Parle. Oui, je te parle. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que oui, tu je me dis. Doutais un petit peu, oui. Je fais du bruit en même temps là donc. Qu'est-ce que tu dis hein, allô? Ouais, ah, c'est ça, ouais. Il y a ton promis là qui fait un peu de bruit. Il a l'air sympa, hein. Ah, il y a des Mandaloriens qui sont arrivés, je m'en occupe. Ah, j'essaye en tout cas. Ouais,
c'est ça, parce qu'on fait pas grand chose, quoi. Enfin, on peut exagérer. Les dents. Oups. Je me suis trouvé au milieu de l'air d'effet, c'est dommage. Qui c'est qui s'est trouvé au milieu de... Moi. Ça ira, Regana? Pas trop de problème. T'inquiète pas pour moi. Bon, je te soigne bien quand même, hein. Ah. Allez hop là. Ah, je crois qu'on a perdu Brigana. Les Mandaloriens sont là. On va se débarrasser d'eux. Par contre, ils sont pas du tout affectés par le... par le flot de force. Intéressant. Ouh. On a rien sur costaud quand même. Bon ben voilà, le ton mari poilu a été descendu. C'était minable. Bah oui, mais bon, tu l'aimais bien, je suis sûr. Un peu comme tu les aimes, les hommes. Hein. Poilu, grand, fort, costaud, mais bon, pas grand chose au niveau du cerveau. Je pose toujours, tu m'intéresses, ça. C'est normal, je suis ta sœur, donc... Vous êtes passé. Ah oui. J'ignore ce que vous faites sur nos terres, mais puisque vous êtes là, voyons ce que vous valez. Oh, mais t'inquiète, je vais te le montrer, ce que je vaux. T'as vu, il y avait des créatures dans les cages. J'ai pas eu le temps de voir. Moi, j'élimine. Ah oui, bah bien sûr. Normal. Regarde-moi ça, comme c'est beau. T'as vu? Ça, pour éliminer, t'as éliminé, hein. C'est beau, hein. Bon, apparemment, il faut qu'on surmonte des défis. Elle nous a dit. Oh, il y a aucun défi qui nous fait. Aucun. Oui, on va bien voir. Aucun. Bah, facile avec un droïde. Tu parles. Tu crois que j'ai besoin d'un droïde pour... Oui. N'importe quoi. Pour survivre, je pense que t'as besoin d'un droïde, oui. Sinon, ben, kaboum. Plus d'Oregana. Kaboum toi-même. Hop. Raté. Non, j'ai pas raté. Si, t'as fait aucun dégât. Nyark, nyark. Si, j'en ai fait. Bon, d'accord, t'en as fait. Ah bah non, je t'entends plus du tout là. Tu te tais ou pas? C'est malin. Ouais, t'es plutôt partir vers la droite. Bon, la droite, la gauche, je pense. Ouais. Moment conclu. Et c'est sympa ces créatures. Comme c'est beau. Oh, ils sont déjà morts. Bah, c'est un peu normal, on vient de les tuer. Oh, ils sont déjà morts. T'aimes bien te répéter, toi. Putain, t'as vu celui-là comme il est gros? Ouais. Il fait pour toi. Comme l'autre. T'as pas de poil. Justement. Un poil, un sans poil. Non, mais je t'en laisse un peu. Oh, laisse un petit peu, ouais, s'il te plaît. Ah tiens, il a bondi, c'est bizarre. Et oh, alors ça va, hein. Eh, hey, mais ça va pas, non? Oh, il t'a envoyé peut-être 10 km, hein. C'est vraiment dommage. Déjà fini? C'est ça leur défi, hein. Bah apparemment. Hop, 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 hop. Ça
Et entre parenthèses, je t'entends pas très bien. Donc je sais pas si ton micro est baissé ou relevé, mais... Ah bon, bah, j'entends mal. Ah, j'entendais bien, mieux avant, là, c'est la coupure. Ah bon ? Ouais. Ça, c'est mieux ? Non. Et comme ça, toujours pas. T'as pas une fonction pour baisser le micro, tout comme ça, tu m'avais dit, non ? Non. Bah si, mais... J'éteindrai la lumière. Bon, bah. Vas-y, on recommence. Là, comme ça, c'est mieux ? Un peu mieux, ouais. Bizarre. Allez hop, deuxième défi. Pas mal, mais ce n'est pas fini. Oui, mais on se doute bien que c'est pas fini. Heureusement, là c'est vraiment rien du tout. Je te rattrape. Je dépasse. Ah, tu triches. Je triche pas, j'utilise mes pouvoirs. Oh. Ouais, que je... Ah, regarde, hein, on dirait une espèce de tanière de bête géante. Ouais. Ah bah oui, il y a un gros, un énorme... Bon, comment ça s'appelle déjà, ça ? La vitesse qui se déplace. Comment on appelle ça déjà, hein, hein, hein ? Oh, j'ai trop de mémoire en ce moment, c'est terrible. Un Sérard Dikiram. Mais non, ça c'est son nom. Ah, mais... bah, c'est pareil. Hein. Bah, il ressemble à une... aux créatures là que les Hutt adorent. Comment ils s'appellent ces créatures ? Mince alors. Je vais mourir. Mais non. Le nom de la créature ? Ah oui. Un Rancor, voilà. Oh bah dis donc, il t'en a fallu du temps, hein. C'est pas de pièce, hein, c'est pas bon, hein. Ouais, je sais, ouais. Bon, il va finir par mourir, peut-être, lui. Ouais. Ils sont gentils. Oh, je m'ennuie, là, oh. Ils sont gentils avec leur défi, les Mandaloriens, mais quand même, ils pourraient trouver mieux, hein. Ouais, ouais, là, je m'ennuie, je te dis pas. Hein. Et on a même pas Talos avec nous, ben, à nos compagnons, quoi. J'ai même envie de laisser tomber mon droïde. Non, moi j'ai pitié de lui, je le garde avec ça. Vous êtes peut-être à la hauteur. On est toujours à la hauteur. Les deux sœurs Cruella sont toujours à la hauteur. Bah ouais. Elles écrasent tout devant elles. Bah ouais. Ce que tu sais dire, c'est bah ouais. Bah ouais. Et ça t'amuse en plus. Allez, prends ta petite lampe, parce qu'on sait jamais, là, tu risques de l'avoir. Ah oui, petite lampe. Petite lampe. T'as l'air tellement intelligente avec une lampe. Bah bien sûr. Au moins, je vois, moi, ce que je fais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien. Oh, des œufs. Des gros œufs, on va faire des omelettes. Ah, dégoûtant. Allez, tiens, voilà, petite omelette. Encore une omelette. Oh, des limaces. Regarde, t'as vu ? Ah, est-ce que je... suis sûr qu'elle t'adore. Comme laissez toi. S'assembler là, on va leur faire une éclaire. Ah ouais! Oh, c'est beau comme ils sont. Bon. Alors, à droite, à gauche. Je ne sais pas. Oh, il en reste un là. Tiens, voilà. Il m'a tout enduit de. D'espèce d'œuf vert là. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais. Ça fait plaisir hein, de m'enduire de plein de gros œufs. Il y en a plein qui sont. Une grosse crème d'œuf, hein. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Des limaces baveuses et visqueuses. Ah, on en trouve sur le... Tu te comment s'appelle cette... Ah oui, sur Dormundkaf, sur... Cherche pas, tu vas pas. Je trouverai, hein, je trouverai. Ouais. On va y penser. Corriban, voilà. Il y avait une... Un souterrain dans lequel. Ouais, y en a encore un. Les limaces chlore. Oui, un gardien. Bien, voilà. Dans les sous-sols de. Corriban, il y avait donc des nids de limaces chlore comme ça. Mm-hmm. Et j'ai découvert pas mal de choses.
dont l'espèce de reine des limaces chlore que je n'ai pas tuée parce qu'elle m'a fait fuir. Voilà. Elle t'a fait fuir. Eh ben oui. Ah regarde. Oh ben regarde. Plein de limaces chlore encore. Voilà. Et je crois qu'il m'en veut. Elle est grosse celle-là, hein. Un peu comme toi d'ailleurs. Oui, 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 c'est vrai. Elle est puissante et généreuse. Comme moi. T'en restes sans voix ? Allez, on y va, on élimine tout le monde. Allez, hop. Bon. Oh, t'as des grands coups de queue, t'as vu ? Mais pas comme moi, par contre. Ah non, c'est au droïde, c'est pas à toi. Moi, j'ai pas peur. Eh bah ben voilà. Voilà. C'est bon. Les meilleurs. Hein ? Bah c'est moi. Et toi, bien sûr. Oh, ouais. Je crois qu'on a fait ces défis à l'autre. Ouais, je crois qu'on va pouvoir relever le prochain défi, s'il y en a un. Oh, à mon avis, il y en aura un. Tu crois ça, toi ? Oui, je le sens bien. Mais alors j'espère un peu plus de taille que ça, parce que là... Oui, là c'était un peu léger quand même. Hein. Un jeu d'enfant, bah, qu'est-ce que tu fous ? Tu te dépêches ? Ah, madame prend sa revanche, hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça doit à nous donner ? Vous vous êtes bien débrouillés, mais vous entrez dans l'arène. Je vous présente Joss et Valk. Ils sont mariés. Ça. Aussi robuste que le dur acier, ou un couple invaincu. Ben, ça va être l'occasion de les vaincre. Ouais, mais ils sont où ? Ben, je les vois arriver, je crois. Ah, ben voilà. Hop ! Ah, ben tu perds pas de temps, toi. Hop, vas-y. Bah, je vois pas pourquoi je perds du temps. Hein. Tout ça pour l'avoir pour toi. Ben, bien sûr. Cette chiffre molle. T'as vu comment elle le traite, hein ? Oh, c'est joli, hein. J'ai vu mon éclair qui montait en le suivant. Pour l'instant, c'est plutôt limité, on va dire. Tu vas te décider à les achever ? Oui, oui. Ils sont gentils, quoi. Eh, hey, mais il me fait mal. Bon, je sais que c'est cette indifférence qui me fasse mal. Attention, voilà la femme. Ah, il a disparu. Tant que la poussière retombe. Ah, voilà l'autre, on a. Hop. On va lui écraser un peu l'esprit pour voir. Oula, c'est quoi ça? Il nous vise avec des bombes. Alors, peut-être pousser un peu, là. Je vois plus rien, moi. Bon, ils sont gentils, hein, ces Mandaloriens, mais... Faut qu'ils sachent un peu comment se battre, hein. C'est déjà plus efficace, Ridour. Ouais, moi aussi. Aïe, aïe, il m'a poussé. Lui aussi, hein, il lui donne pas des petits trucs sympas, quoi. Non, c'est pas des petits mots doux entre amoureux, hein, c'est sûr. C'est de l'amour fâche entre eux, hein. Bah, entre Mandaloriens, on peut pas faire autrement, hein. Ils connaissent que ça, eux. Fais-les déchanter. Oh, regarde des bêtes! C'est ça, de l'essayer maintenant? Bah oui. J'ai intérêt à me soigner, moi. Voilà, ça il est mort. Des bébêtes. Ensemble, on ne peut pas faire! Ouais, ouais. Eh ben. Oh là là. Oh. Hey, ils sont dans le même temps cette fois. Ça court à droite, ça court à droite. J'essaie de passer en dehors. Elle va bien, Morgana ? Ah oh ouais, ça va, elle va bien. Hein ? Non, je me demandais où c'était allé bien ou pas. Mais finalement, apparemment, tu vas bien. Continue comme ça, Valk. Même pas mal. Attaque-les ! Ouais, ouais. Allez, augmentons un peu. Oh, c'était trop beau la manière dont t'es... On t'a envoyé pêtre. Hein. Bon, allez. On va plus rigoler là. Hein. Elle est déchantée. On va finir le gars. Voilà. Et ensuite, la femelle.
façon, ils vont mourir tous les deux. Et je lui coupe la tête, la coupe. Allez, allez. Je me connais. Aucune pitié. Non, bah, de toute façon, il mérite aucune pitié. Voilà. Parfait. C'était quelque chose. Voilà. Il est temps de se rencontrer. Oui, vous rencontrez avec plaisir. Pour vous trancher la tête. Bah oui, trancher la tête. Bon, alors. Attends une seconde là. Oui. Parce que c'est toi, moi je t'entends vachement haché par contre. Hein. Ah. Moi je t'entends bien, l'enregistrement devrait être bien aussi je pense, mais bon on va voir. Ah, d'accord, bon on va voir. Bizarre que tu m'entends haché. Ouais, allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Donc on impressionne Torch toujours. Poursuivre Torch, on va poursuivre Torch. Oh, encore du monde sur la route. Oh là 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 là. Écoute, c'est comme ça, hein. Voilà. Comment ça, voilà? C'est moi qui les ai détruits. Non, ce soir, ouais. Puis je t'ai regardé, peut-être. Bah oui, bien sûr. Je crois pas. Moi, ouais, c'est amusant. Quoi donc? Bah, j'ai mon champ de force qui est resté depuis tout à l'heure. Il doit y avoir un problème technique d'ailleurs. Va pas me faire croire que t'as des super pouvoirs. Ou alors, j'ai encore grimpé dans la force, devenue une impératrice dans l'âme. Hein? Avec la puissance que ça implique, évidemment. Hein? Une impératrice, quoi. Excuse-moi, j'ai pas compris. Une souveraine des Sith. Eh ben, dis donc. Oh là 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 là, minable. Allez, ça doit être la torche. À nous deux. Enfin, trois. Oui, quatre, même cinq. Ouh, ça flambe. Il fait chaud, hein. Ouh, là, oui. C'est pas ça qui nous arrêtera. Ah bah, bien sûr que non. Oh là, la petite nature, là, regarde-moi ça, elle se met... des trucs pour pas marcher sur eux. Elle est pas comme nous, hein. Par contre, vivre dans la lave en permanence, ça va pas être quelque chose de très constructif. J'imagine que vous êtes celle qu'on surnomme Torch. Shave is là. Ce surnom, je le dois aux autochtones. J'ignore où ils sont allés le pêcher. Vous vous êtes brouillé avec les Revanites et les Lames Nova récemment. Dites-moi tout. Tout vous dire? Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas la première Sith qui tente de m'intimider. Je vais vous dire. Vous qui vous attendiez à un geste noble de ma part, que diriez-vous de pimenter un peu les choses? Ça fait un bail que je n'ai pas relevé de défi digne de ce nom. Je vais donner l'exemple à mon clan. Ah, elle veut se battre contre nous. Parfait. Oh, hop, 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 ça m'impressionne pas. Eh ben... Allez, un combat. Entre trois femmes. Oh, ils sont là, les autres. Qu'est-ce qu'il me fait, ce putain? Je t'ai déjà dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et calme-toi. Mais il m'énerve, là. Un langage plus châtié, mon ami. Nous sommes des seigneurs... Enfin, des dames Sith du Conseil Noir. Ouais, hein, ouais, c'est ça. Vous me ménagez ou quoi? Bah non. T'inquiète, j'ai pas te ménager, non. Et voilà qu'elle est dans tous les sens maintenant, elle. Hey, elle m'a électrocuté. Je ne peux pas être électrocuté. Bon, pour l'instant, elle se défend, mais sans trop être... T'as l'air d'aller bien, toi aussi. Je ménage rien. Oh, 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 oh. C'est ça. Joli. Elle essaye de nous avoir comme ça. Minable. Oui, je sais, c'est très, c'est pas terrible, oui, j'avoue. C'est petit ce qu'elle vient de faire. Ben oui, ben justement, elle essaie de compenser là. Essayez encore. Le désavantage qu'elle a par rapport à nous. On est quand même une bagatelle de 4 contre 1. Oui.
Bon, ah, elle est pas trop... Oh là, attention. Ah, intéressant. Hop, on recommence. Hey. Vous me ménagez ou quoi? Ouais. On se ménage pas du tout, mon ami. Oh, mais elle résiste, hein. Ça m'intéresse. Elle résiste bien aux attaques, par contre. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a une baffe ou quoi? Elle t'a électrocuté? Ouais, bah. Ta petite sœur chérie, elle a été électrocutée par Shai Vizia. Essayez encore! Par contre, je vais faire un petit peu d'écrasement d'esprit là pour voir. Pourquoi? Je sais pas, elle hurle. De douleur peut-être, sans doute. Bah on est elle se rend compte qu'elle est en train de mourir. Voilà, oula. On résiste un peu trop à son goût, je pense. Oh là là. Vous ne l'emporterez pas. Mais si, on va l'emporter. Là, c'est pas long. Hey. Je crois qu'elle essaie de nous envoyer des missiles, mais bon. Fais attention, tu es sur un damier. Je suis la meilleure. Ouais. Bien. Hey, je la frappe dans les jambes pour la... Pour lui couper les mollets, mais ça marche pas tellement. Vous ne l'emporterez pas. C'est bien d'être à distance comme ça, pour la frapper à distance, c'est bien. Je suis content. Fini de rire. Regana, fais attention. Pas mal. Oh oh. Mais je suis la meilleure. Ouais ouais, c'est ça. Meilleure de rien du tout. Bon, elle peut essayer d'avoir des illusions. Oui, ils sont petits. Je vous aurai. C'est pas interdit, hein. Elle dit qu'elle nous aura, elle est trop mignonne. Bon, allez, rien pour l'humilier, je vais attaquer à l'épée. Si. Allez, pars-moi ça, ou si tu peux. Bon, tu te rends maintenant? Je peux comprendre ton erreur, donc c'est juste. On doit pas la tuer, hein. On doit la réduire à l'impuissance. Ouais, ouais, elle nous a sous-estimé, c'est tout. Ouais. Alors. Ouais, bof. Tu rigoles moins là. Elle rigolera beaucoup moins, c'est sûr. Elle a appris l'humilité face au site. Ouais, surtout que c'est à moi. Hein? Quoi? Bon, je veux bien admettre que je me suis rouillée. Un peu. Mais ça fait du bien, un peu d'action. Ouais, vous êtes bien battu. Ouais, bon, on en finit. Je suis impressionnée. Flatteuse avec ça. Ça me va. Ça rimera à rien. Vous savez que les lames se sont alliées aux Revanites. Vous devez donc vous douter qu'ils préparent un sale coup. Quoi, on est là, après toi? Nous avons détendu les relations entre les lames et la crique des pillards, mais l'offensive Revanite ne faisait pas partie de l'accord. Et donc vous allez m'aider à les arrêter, sans doute. Battez le rappel. Vous servez l'Empire à présent. Ça fait un bail que j'ai arrêté de bosser pour l'Empire. Eh ben, tu recommenceras. Affronter une cible digne de ce nom en combat singulier est une chose, mais attaquer l'intégralité de la flotte Revanite, ce sera sans moi. Où sont ces vaisseaux? Aucune idée. Je serais plutôt contente de voir les Revanites quitter Rishi. On n'aime pas attirer l'attention par ici. Bonne chasse à tous. Enfin, nous aide en rien, quoi. Bah, j'ai l'impression. Par contre... Kesush Mandoade! Qui est partant pour une chasse aux Skarkla? Bah, tu vois. Bah, nous aider, finalement. Non? Oui. C'est pas très très. Oui, c'est pas sûr à 100%. Ah ouais, j'ai un petit doute là quand même, hein, sur ce coup-là. Hein. Bon, allez, faut retourner à la planque. Oh, regarde, il y a nos petits copains qui sont venus. Il m'énerve, tu vois, il m'énerve. Bon, allez, hop. Bon.
Moi, je vais rappeler Kem ou Andronikos. Ashara, peut-être, oui. Je suis prête. Voilà. Ouais, allez, je suis reparti à la planque. Et non. Dépêche-toi un peu. Mais j'arrive, oh. Oh là 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 là. Un petit peu de patience. Je sais pas ça, que ça a à faire, moi. Ça s'y est bien aussi d'être patient pour le pouvoir. Pour arriver, non, pour arriver à circonvenir tous les éléments qui se mettent sur notre chemin, voilà. Pff, t'arrêtes de dire des n'importe quoi, moi je veux tout tout de suite. Allez hop. Ah, tout de suite, ah d'accord. Et ça va être un peu difficile quand même. Et c'est parti. Qu'est-ce qui est parti? Je vais à la planque. Il pourrait m'attendre au moins. Pourquoi faire? T'as peur de te perdre ou pas? Non, mais tu pourrais m'attendre. T'as peur de te perdre? Pas du tout, voyons, quelle idée. Allez, vas-y, dis-le, t'as peur de te perdre. Bon, bien. J'ai peur de me perdre. Ah là. Mais oh. Ah là 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 là, là je vous jure. Alors, où est la planque? Oh, c'est à deux pas de la sortie. Oui, mais moi, faut pas que je... Ah oui, c'est à côté, alors là, faut que je prenne le... GPS, s'il vous plaît, merci. Oh là 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 là, t'es toujours aussi nul, Mais ça arrive, hein. Mon pauvre Talos, hein. Je sais pas avec qui... Non, mais c'est pas Talos, c'est Ashara. Oui, mais non, moi c'est Talos. Bon, allez. Ah bah quand même, te voilà. Mais eux? Allez, hop. J'adore te voir en petite culotte, j'adore. Bon, bah chacun son côté, alors. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Je comprends votre frustration, Jakaru, mais vos fanfaronnades, très peu pour moi. Que se passe-t-il? Terron a été capturé par les Révanites. D'après les infos des Lames Nova, la crique des pillards abriterait une planque Révanite. Nous sommes tombés dans une embuscade sur place. Vous auriez dû attendre que j'en ai terminé avec les Mandaloriens. C'était stupide. J'admets que nous avons agi à la hâte. À bien y réfléchir, la piste était trop tentante pour être honnête. Quoi qu'il en soit, je maintiens que nous ne devons pas tenter de libérer Terron. Et je sais qu'il serait d'accord avec moi. Il est dans une position idéale pour espionner. Nous parlons d'un agent chevronné du SIS. Si les Révanites l'emmènent à leur base, il pourrait en apprendre long. Bien évidemment, si nous espérons pouvoir exploiter ses connaissances, il faudra l'exfiltrer. Dites-moi que vous avez eu plus de chance avec les Mandaloriens. Revan a rassemblé une flotte de guerre. Évidemment. D'après les infos des Lames Nova, ils ont fait converger les flottes de l'Empire et de la République vers la planète Richie. Donc l'Empire et la République ont été attirés dans un guet-apens dont les survivants seront achevés par les Révanites. Et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons contrecarrer les plans des Révanites, voire les éliminer. Tout à fait. J'ai repéré plusieurs communications en provenance d'une île. J'ai entendu dire que l'île comptait un village de Richie. Je suis convaincu qu'ils nous feront bon accueil. Tu crois peut-être que leurs états d'âme m'intéressent? Je voulais simplement souligner qu'ils se préoccupent peu des affaires des autres. À partir de maintenant, considérons que Revan s'attend à de la résistance. Attendez-vous à croiser des patrouilles en chemin. Bon, ben voilà. Alors... Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Ben rien. Yep. Bah rien comme d'hab. Je vais me débarrasser de cette cape, moi. Alors. Faudrait qu'on aille parler à Renko sur une île plus loin. On va le faire plus tard, hein, ou on le fait maintenant, comme tu veux. Ouais, plus tard. De toute façon, l'un ou l'autre, c'est le même. Le quoi, le? Ah non, c'est un qui c'est le guérisseur et l'autre c'est seigneur de la force. Ah, seigneur de la force pour moi, parce que je suis pas guérisseur. Ouais. T'as un problème?
Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça comme ça, moi? Libre l'âme d'assaut des alliés dévoués. Pourquoi j'ai ça, moi, ici? Intéressant. Je sais pas pourquoi t'as ça. Et puis ça m'intéresse pas. Évidemment, ça ne pouvait pas t'intéresser, de toute manière. Bah, évidemment. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Bon, on a une bonne chose de faite. Bon, à part pour ce pauvre... Pauvre qui? Ah, qui a été kidnappé. Ah oui, Teron-chan. Ah oui, bon, oui. Moi, c'est l'Anna Medico qui m'intéressait, Teron-chan. Ah, il est mignon, quand même. Ouais, bah, je te le laisse, alors. Ouais, bah, d'accord, bah, tu me laisses. Mais moi, je suis plus à Shara, moi. Hein, Shara? Écartez-vous de moi, maître. Oh là là. Bon, bah écoute, on se retrouve sur l'île alors. Ouais, ok. À tout à l'heure. Et puis traîne pas. Hein. Oh, meuf. Je ne traîne jamais, madame, moi. Ouais, c'est ça. Je calcule les risques, c'est tout. Oui, tu traînes. Non. Bon, allez, je m'en vais parce que sinon je vais m'énerver. Oui, voilà, c'est ça. Allez, à tout à l'heure.